approcher ou de nous communiquer avec nous. C'est Walt ou Wallace? Salut tout le monde, comment ça va? Allô Vicky, salut Steve, Myriam, j'ai décidé de commencer une demi-heure plus tôt parce que je veux pas me coucher tard, des choses à faire demain matin. Salut Eric, donc 18h30 ce soir, au pire les autres qui s'attendaient à 19h, ben ils l'écouteront plus tard en rediffusion, si on peut dire comme ça. Allô Kim. Ceux que ça va avoir des répercussions, normalement on fait ça le lundi, le monde sont habitués, mais le lundi c'était impossible pour moi de faire le direct. Salut Steve! Donc pour cette semaine, ça va être aujourd'hui. Je vais voir la semaine prochaine comment ça va se passer, puisque on a beaucoup de choses à faire là, dans les prochaines semaines. Donc c'est possible que les directs j'en fasse aux deux semaines. Je sais pas, je vais voir lundi prochain là. Parce qu'il faut que j'aie le temps aussi de vous donner du contenu, puis je veux pas juste prendre n'importe quoi, vous garocher ça, puis sans avoir de contenu. Tu sais, il y en a bien qui vont prendre des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, puis qui présentent ça à leur monde, disent 3-4 phrases, puis pour eux autres, ça c'est un direct. Non, si vous regardez nos directs dans le passé, vous voyez que on a quand même beaucoup de bons contenus, des enquêtes qu'on fait, on fait participer, des enquêtes qu'on a faites dans le passé, des documentaires, etc., qui nous concernent et non... qui concerne des équipes d'ailleurs. Là. Allô Cindy, merci. Salut Nathalie. Donc, c'est ça, je veux savoir la semaine prochaine si je fais des directs aux deux semaines. Je veux vraiment être capable de mettre du temps puis faire quelque chose de qualité, comme je vous dis là. Allô Marie, Nathalie. Fait que aujourd'hui, je vous ai souvent parlé du premier, les plus anciens l'ont vu, c'est sûr, là, du premier émission pilote qu'on a fait, qui a été présenté une première fois au télédiffuseur dans le passé. Ça a été tourné en 2014 et ça a commencé à être présenté en fin 2014 et 2015. Donc, ben, ça n'a pas fonctionné. C'était quand même... quand même quelque chose de bien. C'est sûr qu'avec le temps, il aurait fallu changer des choses, mais ça n'a pas fonctionné avec ça. Je vais vous montrer un petit peu plus tard, parce que vous allez voir que en regardant ce pilote-là qu'on a fait, nous, on en avait fait un autre, on avait un autre concept avec Ciné Avanti Vidéo. Celui-là, je ne peux pas en parler parce que c'est ce nouveau concept-là qui va être présenté. On veut réessayer encore une fois d'obtenir une émission de télé et présenter quelque chose à un télédiffuseur. Donc, ce qui va être présenté, ce ne sera pas ce que vous allez voir à soir, mais ce qu'on a fait avec Avanti
le concept en tout cas là. Donc, puis je voulais vous le montrer parce que de 2014 à 2018, cette année, il y a juste 4 ans d'écart, mais 4 ans, ça nous a permis de grandir énormément, aller acquérir de l'expérience déjà derrière les écrans. Les caméras, c'était pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Vous allez voir que dans l'émission pilote, il y a beaucoup de monde qui était nerveux. On a appris beaucoup à utiliser, parce qu'à cette époque-là, on avait quand même beaucoup de nouveaux matériels. Donc, à cette époque-là, aller jusqu'à aujourd'hui, ça se voit dans les vidéos, dans nos enquêtes, qu'on a pris de l'assurance avec ces appareils-là. Allô, Mélissa, Amélie, Claudine, Louisette, ça fait longtemps. Salut, Eric. Ça va bien, Monique, et vous? Puis, oui, c'est ça, Myriam. C'est parce que là, comme je disais, quand on a commencé, on a beaucoup de gros projets en ce moment. On fait nos choses, fait que ça me donne moins de temps pour les directs, là. Donc, comme j'ai dit, on va voir la semaine prochaine comment ça va s'aligner. Fait que je voulais vous présenter ça, au cours du direct. Je voulais vous parler un petit peu. Il y a Steve puis Amélie qui ont fait une enquête il y a une dizaine de jours. Je sais que Steve est en ligne en ce moment. Salut Daniel. Ils ont fait une enquête. Ça se trouve à être dans la famille à Steve. J'écris les informations là. À Cookshire. Je sais pas si je le dis comme il faut là. Ça se trouve à être. C'était important pour Steve de faire cette enquête-là parce que c'est dans la famille à Steve. Et les membres de sa famille habitent dans un ancien salon funéraire. Moi, j'ai déjà enquêté à 3 reprises dans un salon funéraire et ça a été les 3 fois, c'était super intéressant. Donc moi, j'avais pas le temps ni Isa. Fait que c'est Steve puis Amélie qui se sont occupés de cette enquête-là. Il a été quand même surpris, il n'y avait pas d'attente, mais oui. Merci, Steve. Les membres de la famille avaient parlé de ça à Steve parce que, étant donné que c'est un ancien salon funéraire, on s'entend là qu'il y a eu du monde qui ont été exposés là, il y a eu de la tristesse, il y a eu des souvenirs qui ont été remémorés là-bas. Puis eux autres, ben, ils sentaient des points chauds, des points froids, différentes places de la maison, c'est jamais dans le même lieu, si on veut, là, ça dépendait des journées ou quoi que ce soit, là. Des sentiments d'être observé, ça c'est vraiment des situations que c'est comme ça que ça se passe. Allô Daniel? Des sentiments de ne pas être seul, des bruits anormaux. Donc eux ont associé ça au fait que c'est un ancien salon funéraire. Donc ils avaient parlé à Steve en sachant que Steve faisait ça. Allô Zachary? Fait que. Ils ont téléphoné une enquête avec l'équipement de base, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Ils ont quand même capté des bons phénomènes de voix électronique. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra, mais il y avait quand même une enregistreuse qui a filmé l'enquête, si on veut. Donc, je vais vous faire écouter les PVE qu'ils ont capté. Donne-moi 2 petites secondes. C'est ça, je vous montre ça tout de suite. On sait qu'ici, ça a du vécu. Il y a quand même eu des choses là, là-dedans qui se sont passées, salon funéraire et ainsi de suite. Là. On voulait savoir si il n'y avait pas des personnes qui étaient décédées qui voulaient peut-être nous dire quelque chose. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? Déjà été exposé ici? Et vous voulez communiquer avec nous? Trouvez-vous ça trop difficile?
y a quelqu'un ici avec nous. Est-ce que vous êtes capable de nous dire on est combien ici dans la pièce? Des gens qui sont décédés ici dans cette maison-là. C'était à qui la maison ici avant? Shank. Shank, hostie. Shank. Ça l'a répété, là. Ça l'a dit deux fois, Shank. Calvaire, c'est quoi les chances de dire Shank à la radio? Et vous autres, parce que vous savez à qui appartenait la maison? C'est à mon frère. OK. Puis son frère, ben c'est un Shank. OK. Peux-tu me répondre si tu t'es encore bien ici? Moi, j'ai entendu dire que la maison ici, elle a appartenu à un monsieur Pope. Monsieur Pope, es-tu là? Oui. Oui. Et tant d'en même. Et mon Dieu, ça, c'était assez... Non, non, essaye-toi pas, Steve. On sait que tu sacs comme un déchaîné, là. Quand t'es avec moi, un sac, un mot. On sait que t'es comme ça. Mais non, mais c'est ça que... Moi, je sais, là, quand on capte des bons PVE, moi aussi, je suis de même, là. Puis tout le monde que je connais font ça parce que ça te prend par surprise. Puis en même temps, t'es content. Fait que... Allô, Rémi? Fait qu'ils ont capté des bons phénomènes de voix électronique là-bas. Puis personnellement, moi, j'aimerais ça pouvoir y aller. Clémence, c'est bon. C'est quand même des réponses claires avec un minimum d'équipement. Moi, j'aurais été curieux de savoir ce que j'aurais pu capter avec avec ma Railbox. Donc, ils ont fait une belle job. Ah, Louisette, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Puis il y en a donc, c'est vrai que c'est mercredi, normalement on les fait les lundis, là. Je vois du monde que ça fait longtemps que j'ai pas vu dans mon fil d'actualité, là. Puis qui nous suivent depuis longtemps, c'est le fun de vous voir là. Ouais, c'est vos débuts, mais gars, moi aussi j'ai commencé en quelque part. Puis juste comme ça, merci de partager. Comme que je dis, ça c'est, ça nous apporte des enquêtes, puis plus qu'il y a de monde qui nous voit, notre visibilité est mieux que c'est. Je voulais vous montrer aussi, vous savez, là, ceux qui nous suivent, l'enquête du Resto Bar nous avait donné des PVE de fou, là, des phénomènes de voix électronique vraiment super intéressants. Il y a une séquence que j'avais pas fini d'analyser, que j'ai faite la semaine passée, puis que j'ai pas pu vous présenter. Je vous la montre drette là. Ça fait partie des bons PVE qu'on avait captés ou ce qu'on avait des questions. C'est eux qui nous posaient des questions. J'ai eu comme... Es-tu un enquêteur? Puis ça l'a sorti de la Geobox. Et ça fait partie de cette enquête-là. Donc, je vous montre la suite. Ça dure quelques minutes. Je vous montre ça. Quoi? Je vais avoir fait pipi. Viens pas dans la salle de bain.
pas compris. T'as-tu compris? Il a dit, je veux pas avoir des horreurs de guerre, c'est ça que j'ai entendu. Non, y a-tu un enfant ici? Le groupe d'activité là, depuis les trois les dernières enquêtes, c'est vraiment ici. Ah oui, hein? Ici, là, tantôt, c'était ouais, les deux ados qui étaient là, c'était dans le fond une des filles à Marie-Josée et à une amie à Marie-Josée dans le fond là. Et c'était pour surtout pour essayer d'activer les phénomènes là-bas parce qu'on le sait que l'ancien propriétaire qui se faisait appeler Paul, et en fait que son nom c'était Nick, là, il aimait pas les enfants et une des raisons pour laquelle le propriétaire nous avait appelé. Le propriétaire qui est maintenant, lui qui est là, là nous avait dit que sa fille à lui, la fille de sa femme, avait vu un homme qui avait l'air fâché dans le fond de la salle et la salle était noire parce qu'eux étaient en train de monter le sapin de Noël. Et après ça, nous, quand on a eu cette information-là, on a essayé de rentrer en contact avec. C'est là qu'on a capté le nom de Nick et de Paul qui étaient la même personne. Et quand on parlait de la petite fille, on lui demandait s'il la trouvait fatigante. Il nous l'a confirmé, puis le mot fatigante revenait souvent. Fait que c'est pour ça qu'on a amené deux jeunes avec nous autres.
Fait que, puis ça l'avait. Ça, c'est une des enquêtes où j'ai capté le plus de phénomènes de voix électronique, puis des phrases complètes. Vous avez vu, il y a des réponses. Il y en a même un que j'ai entendu en vous le présentant. J'ai marqué plus haut ce que ça a dit, ce que j'ai compris là. C'est. Ça dit pas du tout à la question quand que Marc-José demande est-ce qu'il y a un enfant ici, est-ce qu'il y a des enfants ici, ça dit pas du tout. Fait que, puis ça, je l'avais même pas entendu quand j'ai analysé, je l'ai entendu là. Fait que. Puis Clémence, ben je sais pas quand que ça va donner, c'est sûr que j'aimerais ça y aller la prochaine fois avec l'équipement complet là. Allô Monique? Il y a deux Moniques. Allô les deux Moniques. Fait que le resto bar, je sais qu'il est supposé être vendu, mais j'aimerais y retourner. C'est ça, je vous fais l'annonce là. Et quand je vais y retourner, j'en ai parlé avec Frank Dentiste Québec, puis j'aimerais ça qu'il vienne avec nous autres là-bas, avec son équipement à lui, puis on pourra faire un petit direct de là-bas. Il me reste juste une confirmation parce que je sais que lui, de son côté aussi, est aussi occupé que moi, là. Fait que je vous tiens au courant là-dessus. Puis vu que je vous parle de Frank, je vais vous montrer un petit blooper qu'on a fait ensemble il y a 5 ou 6 ans. Ça tourne. Bonsoir, nous sommes présentement à la quatrième enquête de l'Alliance. À Rivière-la-Guerre. Parce que dans le ça, je dis bonsoir. On dirait que c'est Julien. Mais t'aurais dû voir la face en feu. Oui. Je me dis, Chris, j'ai pas dit ça. Il savait pas quoi dire. C'est pas ça. Oh, lui, ok, please do. Bloopers! Ok, attends, tu peux un peu de sérieux. Ok. Bonsoir, vous êtes présentement accompagné de. Comment qu'on dit? On dit tu là? Oh, ça marchera pas là, attends, pour voir. Regarde, je vais marcher. Je vais essayer de commencer. Ouais, commence, puis je vais continuer. Attends, attends, un peu, parce que. Ça va, parce que moi, je vais vous votre face là. Bonsoir, c'est Pierre Bourdon. Bonsoir! C'est commencé, vous. Ok. Bon matin. Vous êtes accompagné. Ok, non. Ça avait été tourné. On essayait de faire un petit documentaire à Rivière-la-Guerre. On avait vraiment eu du fun. Juste une seconde. Ok. Fait que. Je vais vous montrer, dans le fond, comme je vous expliquais tantôt, le premier émission pilote qui a été présenté au télédiffuseur. Puis si on compare avec cette émission-là à aujourd'hui, à ce qui a été présenté avec Avanti Ciné Vidéo, ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous montrer comment qu'on a évolué avec le temps. Donc, je vous montre ça. Ça dure quelques minutes, là, dans le fond, là. Fait que les intéressés restaient là. Puis, je reviens après. Parfait. Écoutez, Madame de Bellefeuille, j'ai pris en note toutes vos informations. Puis on vous rappelle le plus tôt possible. Je vérifie avec le reste de l'équipe pour les disponibilités. D'accord. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Oui, là-haut. Salut, c'est Mélanie. Ça va? Salut. Ça va? Ouais. Est-ce que je te dérange? Non, non. Je suis en train
viens de fouiller sur le site internet puis la page officielle, là. Ah, super, ça. Écoute, j'ai eu un téléphone de Mme Chantal de Bellefeuille. OK. Propriétaire du bord de l'eau. Ah, ça serait où? À Charlemagne. Ils ont un bâtiment là, qui date d'environ 80 ans. OK. C'est quand même assez récent. On parle de problèmes au niveau de l'électricité. Et puis, on a même parlé là, qu'elle voit dans certains secteurs du bord des ombres noires. OK. Ben, t'es-tu capable de me texter son nom, numéro de téléphone, l'adresse? Je vais la rappeler dans pas long. Je te texte les infos le plus tôt possible. OK, je te tiens au courant. OK, bonne journée, bye. Bye. Moi, je m'appelle Patrick Sabourin. Je suis membre fondateur de l'équipe Appât Paranormal. Moi, j'ai fondé cette équipe-là parce que j'ai vécu des phénomènes que j'ai pas été capable d'expliquer durant ma jeunesse. Il m'est arrivé quelque chose quand j'avais 9 ans et il m'est arrivé autre chose à mon adolescence. Donc, j'ai mis sur pied à pas pour avoir des réponses vu que j'avais pas vraiment de référence au Québec qui était capable de venir m'expliquer ce que j'ai vécu. Fait que j'ai décidé d'aller sur le terrain moi-même pour essayer de trouver des réponses au travers de mes recherches avec mon équipe. Moi, je m'appelle Isabelle Deschenaux. Je suis membre fondateur de Appât Paranormal. Moi et Patrick, on a créé Appât il y a plusieurs années. Et puis, on a décidé de mettre ça sur pied. On s'est connus à l'école secondaire. Et puis, à un moment donné, on a repris contact. Puis là, on s'est mis à jaser paranormal. Puis, il dit, ah, mais moi aussi, puis, il s'est passé des trucs. Puis, fait qu'on a décidé de mettre ça sur pied. Puis, depuis ce temps-là, ça roule bien. D'être arrivé là. Mais hein? Tu te souviens un petit peu des détails que je t'ai donné l'autre jour à propos de cette place-là? Ben, je sais que c'est un bar. Ouais, mais ça s'appelle le bar de l'eau, c'est à Charlemagne. Puis la propriétaire, j'ai parlé avec hier, puis elle m'a dit que le 3 jours, ils ont encore vu l'espèce d'ombrage noir passer, elle puis une cliente. OK. Les autres, ils ont-tu peur? Ben, c'est pas qu'ils ont peur, en fait, c'est qu'il se passe vraiment des trucs inexpliqués. Ce qui m'intrigue le plus, moi, c'est l'histoire du chauffage. Elle dit, on rentre le matin, c'est l'hiver, puis il fait 9 ou il fait 15 dans la place. On a mis une boîte par-dessus le truc du chauffage pour pas que personne touche. Puis il baisse quand même. Fait que ça va être à vérifier vraiment, là. Ça va être vraiment cool. Je suis responsable des pré-enquêtes, c'est-à-dire c'est moi qui vais faire les entrevues téléphoniques pour savoir s'il y a matière à enquêter ou pas. Ça va être d'aller vérifier au niveau de l'historique un peu du bâtiment. Ensuite, ça va être aussi d'aller vérifier plus au niveau des gens qui habitent l'endroit. Ça va être d'aller vérifier, il y a combien de personnes dans la bâtisse qui habitent là. Aller vérifier aussi au niveau santé, voir est-ce qu'il n'y aurait pas des troubles de santé mentale ou dépression, des trucs comme ça, si les gens sont sous médication aussi ou pas. Bonjour, moi c'est Patrick. Bonjour, Chantal. Chantal. Allô, José. José. Bonjour, moi c'est Isabelle. Chanté. Allô, Isabelle. José. On s'est parlé au téléphone. Oui. Que tu me répètes, dans le fond, pourquoi tu veux qu'on vienne faire une enquête ici? Moi, il a commencé à voir, ça fait pas longtemps, j'ai le bar, il a commencé à voir des phénomènes. J'ai vu des ombrages noirs passer, tout ça. Les ombrages, c'est où aussi, tes Les ombrages, c'était vers la toilette des femmes, là. Okay. Toujours au fond de la. Du bar. Okay. Des fois, je me sens pas bien, je sens qu'il y a une présence, je me sens regardée. Mais dans le fond, t'es pas la seule qui se sent comme ça, il y a plusieurs employés, oui, je pense. Oui, il y a eu plusieurs personnes. J'en avais parlé avec les barmaids. Il y en a qui avaient eu la même chose que moi, qui avaient vu des ombrages noirs passer, tout ça. Okay. Alors, j'avais le goût de savoir un peu plus. À savoir, est-ce que c'était positif, négatif, est-ce qu'on devait faire nettoyer l'endroit, quoi que ce soit. Toi, tu travaillais ici aussi? Non, moi, ma mère, elle habitait dans le logement du haut. OK. Fait que j'étais souvent avec elle, puis on descendait tous les jours en bas. OK. Tu étais témoin de ça quand elle se déplaçait pour aller changer le,
la température. Ce qui est arrivé, c'est que ma mère, là, depuis qu'elle est toute petite, okay, elle, dans le temps, ils ont fait un film, Nicolas Mitroy. Oui. Puis dans ce film-là, ils parlent d'un feu. Là, oui, oui, oui. Ils ont oui, perdu oui. Une couple d'enfants. Un enfant, sa la mère qui est décédée. Bla, bla, bla. C'est ma mère qui a sauvé deux sœurs puis un frère. Parce que toutes les autres sont décédées et sa mère aussi. Oui, oui. Puis, elle était gravement brûlée. Elle a été six mois dans le coma puis 3 ans et demi à l'hôpital. Je me rappelle bien, elle a eu comme 90% de son corps était brûlé. Beaucoup, ouais, oui, 90%. C'est pour ça l'odeur, quand vous me parlez de son odeur, parce que c'est drôle, parce que j'ai déjà été voir une voyante à un moment donné, puis elle me disait, ta mère est ici, ça fait longtemps, ça fait une couple d'heures qu'elle t'attendait, puis okay, elle avait cette odeur-là. Puis elle disait qu'elle était entourée d'une boule de feu, ce qui est normal par rapport à son feu. Mais ma mère, depuis qu'elle a été brûlée, même quand on était jeune, le chauffage chez nous, il n'y en avait pas. Okay. On gelait ça dans la maison. Dérangé. Elle n'est pas capable. Elle ferme le chauffage. Même en haut, là, c'était chauffé, éclairé là, dans le truc à louer, puis il n'y en avait pas de chauffage. Elle le fermait, on gelait dans l'appartement. Ta mère est décédée en... dans le logement. Dans le logement. Mais comment... d'une mort tragique. OK. Elle est allée à la salle de bain, puis elle a eu une faiblesse sûrement. Là. OK. Fait que s'est poignée après le mur est arraché, puis elle a tombé dans comme dans le bain, là, si tu veux, mais elle s'est cassée le cou. Je voulais savoir si vraiment Rita est ici. Ma mère voulait savoir si vraiment... De toute façon, moi, je le sais, parce que ça fait plusieurs fois que je vais voir une voyante, ça fait des années, puis elle m'en a parlé. Nous autres, on va préparer notre équipement, on va faire l'enquête, puis on va tenir au courant de ce qui va s'en sortir là, de tout ça. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci. 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 S'il y a plusieurs témoins qui ont vu la même chose, tout ça, si on y a un historique genre de dépression, des trucs comme ça, puis que tu t'as posé les questions médicales pour savoir, bon, y a-t-il des antécédents, tout ça dans la famille, bien, allez voir aussi est-ce que la personne elle a de la médication ou pas, puis est-ce que ça peut être légitime de... Si la personne n'a pas reçu de soins, peut-être qu'on pourrait dire, attends une minute, là, y aurait-tu ma sœur à aller voir plus au côté médical avant d'aller voir si ce n'est pas paranormal, là. Tu as déjà travaillé ici? Oui, j'ai commencé l'année dernière, en février 2014. OK. As-tu déjà été témoin de quelque chose de particulier? Pas nécessairement. C'est sûr, j'ai entendu des histoires de tous les clients. Qu'est-ce que tu as entendu parler exactement? C'est sûr, le problème de climatisation. C'est sûr, des fois, on a les courants froids, les courants chauds. Le chauffage, il y a des problèmes avec le chauffage? Oui, on fait venir déjà plusieurs fois des réparateurs. Bon, ben, c'est toujours en vain, finalement. Ils ont changé aussi le système de filtrage. Bon. Chaud, froid, froid, chaud, c'est jamais à la bonne réglementation. C'est quoi les rumeurs qui se passent? 80 ans d'existence oui. En tant que telle. Le nom bord de l'eau à Charlemagne, ça fait longtemps que ça existe. Il y a okay. beaucoup d'histoire et d'énergie ici. Il y a eu des mortalités. Toi, tu as travaillé ici aussi? Oui, j'ai travaillé ici il y a un an et demi, 2 ans. Je venais ouvrir puis je venais fermer le matin puis le soir. Tu as été témoin de quelque chose? Moi, plus dehors parce que moi, je suis voisin aussi, je vais juste à côté. Puis le soir, dans la nuit, je sors mon chien souvent. Okay. J'ai vu quelqu'un comme genre d'ombrage se promener, puis aller surtout dans le coin de la cafetière, justement. Puis il n'y avait plus personne, c'était fermé? Non, le bar était fermé, il n'y avait zéro personne, là, c'est sûr. Là. OK. Vous autres, dans le fond, c'est quoi que vous aimeriez... OK, bien, moi, j'ai des mentors comme qui m'ont suivi comme dans l'énergie, puis tout ça, pour mes cheminements personnels, puis okay. apprendre ces affaires-là, puis tout ça. Puis on m'a dit que... À cette place-là, il y avait beaucoup d'entités. Fait que j'aimerais ça savoir s'il y en a rien qu'une ou deux, mais d'après moi, il y en a pas mal plus que ça. On va vérifier ça, on va faire une enquête là-dessus, puis on va vous dire un peu ce qu'il y en est. D'accord. Ouais, on s'en là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Je suis analyste informatique, je fais de l'électronique aussi, puis je suis le directeur technique chez APA. Donc nous, on vient sur des lieux où il y a des personnes qui nous disent qui ont vécu des choses qui sont hors de l'ordinaire. Des ombres, des bruits, des odeurs, puis qu'on ne peut pas expliquer. Et parce que là, si on regarde dehors, on voit les autos. Okay, comme on a dit qu'il y avait des ombrages qui passaient le long des murs, on fait juste mettre des draps dans les fenêtres pour éviter que la lumière rentre à l'intérieur et fasse des faux ombrages. Mon nom, c'est Patricia Lavoie. Moi, j'ai joint APA, ça fait à peu près un an et demi.
Professionnellement, c'est mon travail. Je suis passeuse d'âme. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais le nettoyage après, quand les gens ont besoin de qu'on puisse faire le nettoyage des lieux. Là, c'est là qu'ils font affaire à moi. Avec le filage et les caméras. OK. On a peut-être trois caméras. Combien de caméras tu veux mettre? Il va en avoir quatre, ça, tu veux. Moi, je suis là de temps en temps, mais c'est plus souvent après les enquêtes. Parce que moi, mon ressenti, c'est vraiment par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec les entités qu'on a trouvées, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Là, ça dépend tout le temps des gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Là. Mais des fois, j'ai besoin de travailler sur l'équipe. Parce que les membres vivent aussi des choses. Hein? On a toutes des fois des expériences qu'on deal peut-être plus ou moins avec. Fait que moi, je travaille même. Des fois, je suis à distance et je travaille sur eux. Mon nom est Mélanie Leclerc. Je suis avec APA depuis environ 2 ans. Je suis dans le domaine du paranormal parce que j'aimerais savoir s'il y a quelque chose après la mort. Je veux vraiment savoir, il y a tellement de gens qui sont décédés, qui sont revenus avec des histoires identiques un peu partout dans le monde, les phénomènes inexpliqués, ça m'a toujours attirée également. Puis je pense que la science du paranormal, on peut la faire avancer là, avec beaucoup de qualité de travail. Là. Mon nom, c'est Jean-Guy Martin. On me surnomme aussi Jiggy. Je suis récemment retraité. Ben, dans la poche, je suis enquêteur. Puis je dirais que je me spécialise plus au niveau des phénomènes de voix électronique ou phénomènes de bruit électronique. Chaque enquête, je comparerais ça à quand tu vas à pêche. Si quelqu'un est pêcheur, tu peux passer des heures à pêcher puis attendre. Puis tu vas toujours espérer, puis il y a un moment donné où whoop, tu risques d'attraper le gros poisson ou un poisson rare. Fait qu'au niveau des phénomènes là, de hantise, des phénomènes paranormaux, c'est un peu la même chose. La grande Patricia, je sais pas. Ben moi, je pourrais, moi. Ça va te manger, yes. Là, la caméra ici, j'ai demandé à ce qu'on pointe sur le thermostat. Vu qu'ils comprennent pas pourquoi, là, des fois, ils changent de température du sol. Fait que si jamais ça arrive, ça va être filmé plus proche, beaucoup plus proche. Ouais. Ben juste le thermostat qui a besoin d'être plus proche. On vient mettre deux caméras hunter, ces caméras-là se déclenchent au mouvement. Fait que si jamais quelque chose qui passe devant ou quelque chose de sensible, bien, les caméras vont se déclencher et puis ça va être capté sur image, soit en photo ou en vidéo. Sur les autres allées. Fait que normalement, vu qu'il ne pointe pas ce bord-ci, il n'est pas supposé se déclencher, vu que le sensor est de l'autre côté. Là, j'allume, c'est le malmeter que je parlais tantôt. Fait que si jamais on sait que les entités ont un certain champ électromagnétique et puis un champ statique autour d'eux autres, sur certains lieux d'enquête, quand j'ai utilisé cet appareil-là, quand je leur demandais de s'approcher, ils le faisaient, puis ils faisaient déclencher mon appareil. Fait que je vais le déposer ça. Problème avec la grosse box. Oui, hein? Normalement, il s'allume, là, il ne s'allume pas. Pourtant, la batterie était. La batterie est super neuve, puis la température, ça n'a aucun rapport. Et pourtant, il indique qu'il. Ouais, donne-moi ta flashlight, je ne m'en vais pas. OK, vas-y. Donc là, on va faire une séance qu'on appelle une séance de PVE. On va poser des questions, puis possiblement qu'on n'entendra pas les réponses avec nos oreilles. Quoi que ça peut arriver, mais j'ai un enregistreur ici qui est déjà en fonction, fait qu'on pourrait capter là, des phénomènes de voix électronique. On voudrait savoir s'il y a quelqu'un qui est avec nous ce soir. On a mis un appareil sur la table avec une lumière verte.
Jean-Guy a un appareil ici sur son bras. Il y a une lumière rouge. Si vous approchez, vous allez pouvoir communiquer. Si vous n'êtes pas Rita ou M. Gauthier, faites-nous le savoir. Dites-nous votre nom. As-tu quelqu'un là-bas? Derrière la banque? Ouais. Je sais pas. Non, parce qu'il y a une lumière rouge. Je vais te faire cacher une partie. Ok, le gros carré vert, là, à droite. Ok. Puis le côté gauche, et puis le cachet. Ok. Ah, et voilà. Ah. Il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un de physique. C'est quoi le nom du bar ici? Ça semble bien intéressant. Sur les enregistrements, parfois, au travers de l'espèce de white noise qui sort, il va y avoir un PVE, un phénomène de voix électronique qui ne sera pas sorti de la grosse box. Comme il va arriver aussi qu'en réécoutant, on va entendre ce que se disait sur la grosse box. Parce que des fois, ça parle très vite. Hein. Les phénomènes de voix électronique, ben, une des caractéristiques, c'est que ça n'a pas de respect de la syntaxe. Ça va faire des bouts de phrases tout collés, vite, ou tout croche, là, pour vraiment le dire. Tu m'as trouvé une date corée? Oui, puis Eric, à la rescousse. Ok, c'est bon. Non, tu peux éteindre la lumière. Je vais rallumer le détecteur de mouvement. Il n'est pas reparti? Non. Salut, moi, je m'appelle Patrick. On est ici pour essayer de répertorier des présences possibles au niveau du bowling. On sait que ça fait longtemps que c'est fermé. Est-ce que c'est vous qui venez de poche. Qui venez de faire allumer l'appareil? C'est vous qui venez de passer devant l'appareil. Pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? Tu sais, la propriétaire, elle parlait d'une odeur bizarre qu'il y avait en haut des fois. Tu sais, ça peut être possible aussi, là, quand on est rentré, ça, il y avait une drôle d'odeur. Ben, l'odeur de moisi, c'est humide au bout, ça. Ben, peut-être que c'est vieux, hein? C'est peut-être ça qui sent des fois, là. C'est sûr, c'est moisi. On marche pour les planchers, on met les poussées, puis ça passe au travers. Là. Bon, c'est donc une question d'anglais, ouais. OK. Do you understand what we're saying? You prefer me to speak in English? Okay. Timid? Yeah, timid. Timid. Gal code. Garde le code. Il y avait rien qui se passait en français tantôt. Ça sent très fort. Là. Okay. My name is Eric. I'm with Patrick and Isabel. Ça fait plusieurs, ça fait quelques minutes qu'il réagit. Là. Ouais, c'est quand t'as commencé. C'est quand t'as commencé en anglais. Ouais, Puis il n'y a personne qui a de cellulaire. Non, non, c'est tout en mode avion. Non, là. J'ai même pas de téléphone, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas mon seul avec moi. Okay, gars, c'est assez fort, là. Okay. Qu'est-ce que c'est? J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait marché, mais il n'y a personne en arrière. On aurait dit qu'il y a quelqu'un qui marchait sur la piste. Lève donc en haut. Tu peux peut-être voir. Non, c'est vraiment à terre. Il n'y a pas d'électricité ici. Ça se tient entre vous deux. C'est un enfant ou un adulte? C'est pas toi. Là, ça se tient entre vous deux. Ah ouais. Why do you stay on the ground? Mais comme on voit ici, là, une fois de temps en temps, ça l'allume. Puis des fois, là, mettons exemple, si je me déplace, on voyait là, que ça arrivait ici. Là, ça arrive pas. Donc, il y a quelque chose qui vient déranger le codeur. Quelque chose qui passe, qui vient et qui s'en va. C'est ça. Mais tantôt, là, quand j'étais à côté, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se promenait.
Oui, j'ai eu l'impression, aussi. Que ça s'est approché de nous autres tranquillement, pas vite. Fait qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais c'est des coïncidences qui sont arrivées en même temps, quand même. On en est aujourd'hui au résultat de l'analyse de l'enquête du resto-bar, le bar de l'eau à Charlemagne. La propriétaire nous avait contactés parce qu'elle avait des témoins avec elle aussi. Les autres avaient décrit de voir des ombrages, un thermostat qui se déclenche tout seul, je veux dire qui change de température, c'était anormal. Elle avait fait venir des électriciens, ils ne comprenaient pas, même lui il a dit non, il y a quelqu'un vraiment qui joue avec le thermostat. La cafetière qui se déclenchait tout seul. Des odeurs qui étaient inexplicables, le sentiment d'être observé, avoir des malaises. Donc, nous autres, on est allés là pour essayer de comprendre puis essayer de démystifier. Des choses que je veux faire entendre. Okay. À un moment donné, on est au niveau du bar, je vais commencer là, OK? Et on sait que Rita, la sœur de Monica, elle avait de la misère à tolérer la chaleur sur sa peau, tout ça, à jouer avec les calorifères, tout. Et que Isa demande, elle dit est-ce que c'est vrai, Rita, que tu n'étais pas capable d'endurer la chaleur sur ta peau? Je vais vous faire écouter une petite séquence ici, OK? Ça, c'est quand vous étiez au sol ou au premier? Ça, c'est quand on était au bar. Tu n'aimais pas ça quand il faisait chaud parce que ça te faisait mal à la peau? Ta peau était brûlée? La chaleur t'a dérangé beaucoup? Est-ce que c'est vrai? Bien oui. OK? C'est clair. Ben oui. On entend ben oui. Ouais. C'est vrai que ça te démangeait sur la peau, mais ben oui. J'en ai un autre à vous faire écouter. Okay. Tu sais, moi, je voulais obtenir une réponse, OK? Puis pour être sûr que c'était une entité intelligente, puisque des fois, on fait affaire à du résiduel dans nos enquêtes, là, d'après moi, on a capté quelque chose d'intelligent. Je dirais que vous entendez. Vous êtes capable de dire votre nom? Vous êtes capable de dire soit au travers de l'appareil le grichement que vous entendez ou de l'écrire sur le tableau de la petite boîte noire? Mais là, je voulais vraiment essayer de gratter, fait que j'ai demandé à Eric. Eric, pose des questions en anglais. Je veux vous présenter cette boîte-là. Vous allez voir, aussitôt qu'Eric commence à parler en anglais, les codes réagissent, puis l'ovulus qui arrête pas de. On a-tu de l'audio là-dessus aussi? Oui, c'est juste tu peux mettre tes écouteurs. On dit, on marche sur les planchers, on met les poussures, ça passe au travail. Bon, c'est donc une question en anglais, ouais. Question en anglais? Ouais. Peut-être qu'on va attirer plus leur attention. Do you understand what we're saying? We're talking French, but maybe you prefer English. What's your name? Oh, oh. What's that sign? No, I'm not going to do it. There's a spike. Oh. You prefer me to speak in English? Okay. Wait. Wait. It's mid. Wait. It's mid. It's mid. It's okay. Yeah, I can do. Is it? Yeah. Ah. Yeah. Il n'y avait rien qui se passait en français tantôt. C'était okay. Un quartier où il parlait beaucoup anglais, ça, dans le temps? Il y a mieux qu'il parle en anglais ou en français. Je pense que la c'est lui qui a réagi. Ça ne peut pas être plus il est passé? Vous avez vu le code 2 réagir, peut-être? Ah oui, oui. Ouais. OK. Fait que, tu sais... Je pense que ça ne pouvait pas être plus clair. Puis après ça, les phénomènes n'ont pas arrêté depuis ce temps. Il passait quelque chose là. Fait que moi, c'était mon analyse. C'est sûr, j'ai capté d'autres petits trucs, mais rien de clair, je suis pas certain. Fait que j'aime mieux montrer, vous faire entendre ce que j'ai capté qui était okay. Clair pour moi. Là. Ben, moi, j'ai fait l'audio. Fait que j'ai capté des choses intéressantes, dont justement quelque chose au sous-sol. Avec tes oreilles bioniques? Ouais. ça, c'était le fun parce que moi, j'ai pas été au sous-sol. Fait que j'avais un avis. C'est quand nous autres, on était là? Neutre, ouais. OK. OK.
Okay. Vous allez entendre votre conversation, Eric est là, puis le cas 2 semble réagir, puis Eric semble dire que c'est entre vous autres. OK. OK. Ah. Et pendant que vous parlez, on va entendre quelque chose. Quand tu dis c'est un enfant ou un adulte. Ouais. Ah! Non, je sais pas. Ça, c'est Eric. Oui. Je connais comment okay. Il est. Mais ça fait. Il y a quelqu'un qui s'est raclé la gorge. Oui. Puis après ça, il y a Eric qui a. Parce qu'Eric avait le code d'aimer, puis ouais. Il se prenait comme ça, puis il a fait. Ouais. Je sais, c'est oui, ça. Oui, ça fait comme un petit chantonnement, mais oui. C'est ça. C'est pour ça que c'est le fun, parce que j'étais pas là. Fait... Mais je me rappelle. Mon oreille a accroché là-dessus. OK. Les autres qu'on a captés, c'est quand Mélanie et moi, on faisait la session de Ghost Box au premier étage. OK. Mais portez votre attention tout de suite quand Mélanie finit de parler. Okay. OK. J'avais un message très important pour venir le dire ici. Ça? Ouais. OK, ouais. Et on s'entend que c'était calme là-bas. Ouais. Là. Ouais, ça, ouais, c'est intéressant ça. Parce que Mélanie et moi, on ne réagit pas. Ça veut dire qu'on ne l'a pas entendu. Mm-hmm. C'est pas sorti de la grosse box. Ça sort d'où? Dans le white noise. Puis on ne l'a pas entendu. Ça, c'est un autre. C'est quoi le nom du bar ici? Check. J'ai des frissons. Je voulais pas présenter. Il y a trois choses sur celle-là. Ah, oui, il y a non, mais je voulais pas présenter, mais moi, j'ai capté la même chose. OK. De ce mon affaire, puis je te ferai écouter, là. On comprend pas ce que ça dit, par exemple, mais c'est comme une voix distorsionnée qui essaie de parler. Je l'ai capté, moi aussi, ça. Tout de suite, après que je pose la question, c'est très, très fin. Sérieusement, j'ai pas réponse. Compris ce que ça dit, mais le timbre de la voix, je suis venu là. Sais-tu à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à la même voix que le Talker 2 qu'on a. Ouais. C'est la voix électronique, ouais. Là. Ouais. Ouais, c'est une voix qui vient d'ailleurs, ça c'est clair, c'est pas personne là, de l'équipe. Celui-là, il est pas pire. Oui. Mais l'autre, il est mieux. Ouais, celui-là, il est sorti de la grosse box. Comment s'appelait la fille de... Comment s'appelait la fille de Rita? C'est... Écoute-les. T'entends José? Ouais. J'entends comme José. Goldie. Mais ça c'est un peu syllabe, mais je peux pas. Ça a deux syllabes. José. Il faudrait le. Parce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la fille de oui, Rita, ça s'appelle José. Ça s'appelle José. C'est sûr qu'il y a deux syllabes. Ça dit quelque chose. Ça vient pas de nous autres. Puis il n'y avait pas de questions qui étaient posées. José, ça pourrait, mais je ne suis pas certaine assez. Ben, t'as capté des choses intéressantes, mais, oui. Mais c'est, on n'arrive pas à comprendre ce que ça dit. Fait que, mm-hmm. Mais c'est sûr que t'as capté quelque chose. C'est cool, hein? C'est ouais. Tout ce que t'avais? Oui. Ben moi, Star, j'ai eu du fun, j'ai analysé le système DVR. OK. On avait 5 caméras qui ont enregistré à peu près 4 heures chaque. Fait que j'ai analysé ça. Il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a beaucoup, beaucoup de poussière parce que dans le bar, on s'entend que c'est poussiéreux. Je me suis fié aux notes que les filles ont pris quand ils ont regardé le système DVR en direct. Okay. Ça part à 11h17, t'en as un qui va passer. La poussière peut rester à suspens pendant plusieurs heures. Fait que oui. Si quelqu'un se déplace, ça va donner l'impression que c'est un orbe. Peut-être t'en vois des petits passés, ouais. Là, tu vois. Il y a eu un site. Bon, ouais, c'est parce qu'Éric s'est levé et il a fait déplacer l'air. 22, 23, 24, c'est 3 secondes-là, tu vas en voir pas mal. Regarde, ah, ouais. Tu vois? Ouais, on l'a vu. Ça peut être souvent. Ben, ah, oui, il y a plein de monde qui vont dire. Un peu. Ah, un fantôme peut passer. Mais si tu vois avec la logique des affaires, t'as Eric qui vient de se lever, tu vois. T'as-tu vu? Avec tout le mouvement, ben oui. Okay. C'est juste parce qu'elle était proche de la caméra. Oui. Fait qu'eux autres, quand ils ont crié, chaque fois qu'ils ont crié, mettons, ils ont vu quelque chose. Oui, j'en ai plein des notes. Là, si je me fie aux notes, là, ça a quasiment été ça toute la soirée. Quelque chose de paranormal, j'en ai pas vu, il n'y en a pas eu. Fait que les supposés orbes, c'est de la poussière. Ouais, j'en ai un autre à 26, si tu veux l'avancer. J'ai pas vraiment, j'ai pas eu d'apparition, j'ai rien eu de spécial, mais okay. Je tenais à montrer quand même ce qui était des orbes, parce qu'il y a plein de gens qui se non, demandent c'est, c'est bon. Quoi, puis qui nous posent souvent, on se fait poser la question à tous les jours, puis c'est important, je pense, qu'on fasse un point là-dessus. Ouais, pour le monde qui l'a vu, bon. Cinq caméras pendant 4 heures. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, il y a eu beaucoup de gens qui se sont promenés, il y a eu beaucoup de courants d'air, c'est une vieille place. Fait que c'est ça que j'ai réussi à voir.
Fait qu'on a, je pense qu'on a fait une bonne job. Oui. Puis, ben, merci d'avoir passé du temps là-dessus. Moi, en tout cas, ça a pris vraiment une couple d'heures. Là. Et là, on va se préparer, puis on va aller voir la propriétaire avec ce qu'on a. Je pense qu'on a une couple de trucs intéressants à montrer. Donc, on va aller là, puis après ça, ben, les prochains jours, on va se préparer pour la prochaine enquête. Yes, super. Bon, ça? Goodbye. Yes. Salut Chantal. Salut. Ça va bien? Ça va bien, mais oui, merci. Salut. Allô, allô. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Tu nous as contactés il y a environ deux semaines pour nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu ici. Vous avez été plusieurs témoins, on vous a rencontrés. On a regardé l'historique. Ça, quand même, ça s'étale sur plusieurs années. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de démystifier au départ. Moi, vu que la rue est faite en V, okay, moi, ce que j'ai pensé faire au début, on a mis des rideaux pour essayer de couper la lumière des véhicules qui passent à l'extérieur. Parce que, tu sais, je t'en avais parlé un petit peu, possible que quelqu'un véhicule qui passe, ça fasse un jeu d'ombrage. Mm-hmm. Je ne sais pas que vous n'avez pas vu d'ombrage en tant que tel, mais ça se peut que ce soit causé par ça. Parce que okay. Quand on les a mis, on n'a pas capté en tant que tel sur nos caméras d'ombrage. Okay. Okay. On est allé au niveau du sol. Ça a été super intéressant. Même toi, je pense que tu n'as pas été souvent en bas. Hein? Non. Quand on est arrivé, surtout qu'on est descendu les escaliers, il y a une odeur comme de moisi qui nous a tout de suite venu au nez. Ouais. Fait que là, on a fait le tour, puis en plaçant les équipements, on a regardé au plafond, puis il y a des trappes d'air. Fait que là, on a peut-être pensé que l'odeur d'en bas pouvait monter à l'occasion en haut, puis c'est ce qui faisait en sorte que l'odeur que vous sentiez, ouais, c'était possible. Avec la chaleur, l'humidité. Jusqu'à temps qu'on commence à faire des séances de PVA dans le sol. À deux reprises, on a un détecteur de mouvement qui s'est déclenché tout seul, normalement qui n'est pas supposé. Quand ça se déclenche, parce qu'il y a quelque chose qui a passé dans le sensor. Okay. Pendant 45 minutes, ça a été mort. Là, j'ai demandé à Eric, j'ai dit, Eric, essaye voir de poser des questions en anglais, parce que des fois, de passer d'une langue à l'autre, des fois, ça peut activer des choses. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Aussitôt qu'il s'est mis à parler en anglais, sur mon détecteur de PVE au travail des champs électromagnétiques, il y a un autre mot qui est sorti, c'est timide. Fait que c'est comme si la personne n'était pas dans sa zone de confort vu qu'on y parlait, ben la personne, l'entité en tant que telle, en parenthèse. Fait que ça a été super intéressant. Tu sais, quand on est arrivé et qu'on s'est mis à parler avec la barmaid qui était là, justement, elle nous disait, tu sais, la cafetière des fois. Puis là, on parlait tout ça. Puis là, pouf, elle a dit, hey, la cafetière vient de se déclencher tout seul. C'est ce que tu nous avais raconté. Ça n'a pas été filmé, c'est une expérience personnelle, mais elle s'est déclenchée vraiment en face de nous autres. Puis là, tu sais, on s'est dit, ouais, mais là, tu sais, peut-être c'était, elle se déclenchait à certaines heures, puis tout ça. Non, parce que ça vient de chez vous. C'était à toi avant, oui, puis tu ne l'as pas c'était. Non, pas du tout. Ça a été vérifié, puis vraiment parti tout seul. On a eu espoir, on a installé une caméra au niveau du thermostat. Oui. Parce que, tu sais, souvent, vous disiez qu'elle baissait vraiment beaucoup, puis c'était pas normal. Malheureusement, à ce niveau-là, il s'est rien passé. On n'a pas capté. J'aurais aimé ça, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Fait que, tu sais, on a tenté notre chance. Moi, je vais te montrer quelques petites choses. OK. À un moment donné, on est ici, moi et Isa. OK, on essaie de faire une séance de PVE avec la Ghostbox. Isa, elle essaie de s'adresser à Rita, qui se trouve à être la sœur de Monica Lamitraille, qui a été brûlée. Elle avait de l'inconfort sur sa peau quand il y avait de la chaleur. Isa demande, est-ce que c'est vrai quand que tu étais ici tout ça, puis que tu n'étais pas capable d'avoir de la chaleur sur ta peau, ça te faisait mal, tout ça. Je vais te faire écouter, puis tu me diras ce que tu en penses, OK? Ça a l'air que t'as dérangé beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu l'as entendu? Puis la deuxième question, quand elle demande, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu entends? Ben, j'entends comme ben oui. Exactement. Et voilà. Je vais te faire écouter un autre. On est encore à la même place. Moi, j'insiste pour qu'elle me dise le nom du bord. Okay. Je veux que tu me dises c'est quoi le nom du bord. Le bord de... Il y a un certain délai et c'est vers la fin qu'on entend quelque chose, OK? OK. C'est le bord de... C'est quoi le nom? Si t'es capable. De l'eau.
C'est bon, là. C'est assez clair. C'est assez clair. J'étais vraiment content, moi, quand j'ai pogné ça. Ah. Fait qu'au niveau d'ici, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'intelligent. Oui. OK? Ça, c'est une voix d'homme. Oui, ça, c'est une voix d'homme. C'est vrai que... Ou sinon, elle avait une voix vraiment grave. Bien, personnellement, on n'a pas capté la preuve comme de quoi c'est vraiment Rita qui est ici. Non, quelque chose. Sauf qu'on a capté la voix d'une femme en bas, même à l'étage ici, je pense que Jean-Guy avait capté quelque chose. Puis un homme qui pourrait être, c'était Danny Gauthier, je pense, Danny Gauthier, qui est mort accidentellement. Ou ça peut aller plus loin que ça aussi, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'intelligent qui est là. Oui. Je veux juste te montrer, c'était en bas, je vais te montrer comment ça s'est passé quand le détecteur de mouvement s'est déclenché. Ou si tu vas l'entendre le nom quand ça dit bête, je veux te le faire entendre. Ah, OK, parfait. Vous êtes capable de nous dire votre nom? Il n'y a aucune raison pour que ça se déclenche, le détecteur. Vous êtes capable de dire votre nom? Pourquoi on entend? Vous êtes où? Vous êtes capable de dire soit au travail de l'appareil, le grichement que vous entendez, ou de l'écrire sur le tableau, la petite boîte noire. Ben. Oui. C'est encore plus clair que ce qu'il y avait oui. En mais haut. Ça, c'est le... Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une bande de mots dedans. Il y a 60 000 mots, je pense. Puis chaque mot est identifié à un niveau de champ électromagnétique. Ah, OK. Fait que, on ne sait pas comment que ça fonctionne, mais l'entité, s'il veut dire quelque chose, tu vas l'entendre, ça va être écrit sur le tableau. C'était-tu Betty, c'était-tu Elisabeth? C'est un diminutif. Ouais. Fait que, puis il y a le petit bout aussi où ce que quand je demande à Eric de parler en anglais, on voit ça réagit. Ouais. Fait que je vais te le montrer. C'est moisi, on marche sur les planchers, on met les poussures, ça passe au travail. Bon, c'est donc une question en anglais, ouais. En anglais. Ouais. Peut-être qu'on va attirer plus leur attention. Do you understand what we're saying? We're talking French, but maybe you prefer English. What's your name? Oh, oh. Le code 2 réagit. You speak in English? Puis on entend timide. Fait qu'à ce moment-là, tout le long qu'on était au niveau du sol, le code 2 réagit comme ça tout le long. Ah! Puis à aucun moment avant, même ici en haut, là, il n'a même pas réagi. Là. OK. C'est tout qui s'est mis à parler anglais. Ouais. Fait que, on a capté plusieurs choses intéressantes. C'est sûr qu'ils ne sont pas toutes claires. Moi, je t'ai fait écouter vraiment ceux qui étaient. Selon nous, qui était vraiment clair. Tu l'as entendu toi-même distinctement. C'est sûr qu'on aurait aimé capter quelque chose avec le thermostat et tout ça, mais on est content parce qu'on pense qu'on a réglé, on a résolu quelques petites affaires, mais d'un autre côté, ça nous prouve qu'il y a vraiment de l'activité ici. T'sais. Alors, dans ce cas-là, Patrick, est-ce que mon bar, il se passe, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui se passe? Bien, avec ça, si on a capté, comme je te dis, moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Ah, OK. Fait que, ben, je pense que ça te fait pas peur, tu t'en doutais. Puis, tu n'étais pas la seule témoin non plus. Puis, tu sais, en parlant avec le monde qui travaille ici, plus le monde du passé qui a déjà travaillé ici, on s'en doutait bien là, que ça pouvait pas être une, comment on dit ça, là, une hystérie collective ou quoi de même, tu sais. Fait que, il y a vraiment quelque chose dans la place. Tu vas bien vivre avec ça? Oui. Ah oui, mais c'est sûr que personne s'en parlait tant que moi, j'en ai pas parlé. Tout le monde me dit. On ne voulait pas passer pour des fous, on n'en a pas parlé, mais tout le monde avait vécu à peu près les mêmes expériences. Fait que je te remercie de nous avoir laissé enquêter ici. C'est moi qui vous remercie. Oui, ça m'a fait plaisir. Merci. Au moins, ben, on sait que c'est vrai, puis ça devient comme moins épeurant, parce que ça fait peur à tout le monde, ces choses-là. Parce que ça fait partie de notre quotidien maintenant. Puis quand il arrive quelque chose, au lieu de sursauter, je dis, ben, c'est correct, ils sont là, c'est tout. Fait que ça, c'était l'émission pilote qui avait été faite en 2014,
qu'on a essayé 2014-2015 pour avoir une émission de télé. Finalement, il y a eu des changements. On était avec Echo Media. Par la suite, on était avec Ciné Avanti Vidéo. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a tout a vraiment changé. L'expérience, premièrement, plus les équipements, la technologie, elle a évolué vraiment rapidement de 2014 à aller jusqu'à aujourd'hui. On a pris de l'assurance aussi derrière les caméras. Donc, puis c'est la façon de travailler aussi qui a changé. Des phénomènes de voix électronique. Avant, on captait juste des petits bouts de mots. À cette heure, avec les appareils qu'on est capable de construire aussi, là, on capte des phrases complètes. Donc, mais tu sais, je vous l'ai dit, la seule chose que je peux vous dire dans le nouveau, dans ce que l'émission pourrait avoir l'air, nous, on avait Jean-François Mercier qui aurait été l'animateur de l'émission si ça aurait fonctionné avec Avanti Ciné Vidéo. Si Jean-François Mercier était dans le projet, ça aurait été fou. Mais le concept reste pas mal le même, des petits changements, parce que vu que ça a été fait d'une façon avec eux autres, on ne veut pas faire exactement la même chose avec la prochaine maison de production, mais on verra ce que ça donnera. Bien, merci tout le monde de nous suivre, puis tous vos bons commentaires, là. Fait que c'était sûr que ça avait l'air dans ce temps-là. Je suis quasiment content que ça n'ait pas marché, là. Il faut que ça marche aujourd'hui. On essaye. Il y a beaucoup de monde, du monde connu, qui parle de nous autres en ce moment, parce que quelque chose qu'on a fait il y a environ un mois et demi, deux mois, que je ne peux pas parler. On a fait une enquête en quelque part avec une personne connue et que lui a parlé de nous. Fait que là, c'est dans les mains de l'univers. On va voir ce que ça va donner. On lâche pas. Ouais. Daniel, ça, c'est un des PVE, un des premiers PVE qu'on a capté avec la Vortex. L'appareil que j'ai construit, dans le fond, ceux qui ne savent pas c'est quoi, là. Cet appareil-là. Moi, je l'ai mis un petit design, là. Ouais. Donc, là-dessus, allô Isabelle, on a fini. Ceux qui ont manqué le live, vous pouvez le reprendre. Aujourd'hui, on a présenté le premier émission pilote qu'on a fait en 2014. Comme j'ai dit, on verra, c'est dans les mains de l'univers. Donc, le prochain live, lundi prochain, à partir de là, je vais savoir si ça va être aux deux semaines après. Ça va dépendre de ce qu'on a à faire. Nous autres, on est vraiment occupés ce temps-ci. Puis, je veux vraiment vous donner des directs de qualité. Fait que on verra lundi comment ça va se passer. Merci Alex. Merci Lise, c'est gentil. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Puis ben on se retrouve lundi prochain. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, écrivez-nous en privé, ça va nous faire plaisir. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre. Fait que oui, ça a bougé depuis le temps. Puis ça va continuer à bouger. On avait une belle équipe à l'époque, mais l'équipe elle a changé. Puis on est super content des membres qui sont avec nous en ce moment là. Puis ça peut juste aller de mieux en mieux. Donc, bonne soirée tout le monde. On se retrouve lundi prochain. Salut là.